bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer, pas 40k, pardon, de Warhammer Fantasy sur Total War bien sûr, et on se retrouve avec Torox qui était prêt à sauter sur Arcaldra, qui va peut-être falloir y aller avec un petit peu plus de circonspection. Il y a quoi dedans? Ouais, ça va, il y a des murs et il y a une armée qui s'est repliée avec quand même pas mal de défenseurs et deux héros. On va peut-être prendre le temps de faire quelques trucs de siège et de se refaire, on va voir ce que ça dit. Victoire de justesse, on perdrait nos harpies, un Razor Gore et eux. Bon, ça m'embête de perdre les harpies. On va faire des tours de siège des hommes bêtes. On peut faire une attaque éclair, mais ça sert à rien, c'est une ville. Bah oui, ça sert à rien, on est d'accord. Allez, on va siéger un peu pour changer. En plus, normalement, on a le truc qui donne des vieux malus au tour de siège, là. Voilà, allez hop, on va faire ça. Trois tours de siège construites en plus. On voit que niveau garnison, c'est quand même la teuf Nagaronde. Hein. On n'a pas de mur, on peut pas avoir de mur avec la pierre de Herd, mais niveau garnison, ils se foutent pas de notre gueule. Hein. En général, c'est le truc le plus tendu. Tiens, on perd des sous. Ah, mais donc, ils nous raid et on perd des sous, d'accord. Donc le raid est effectivement quand même utile. C'est quoi ce truc? C'est un camp ogre, ok. D'accord, bah il va falloir qu'on aille s'occuper de lui du coup. Bon, on fera ça plus tard, bien sûr, on a autre chose à foutre. Ici on a un petit niveau et on est plus ou moins remis. C'est pas encore le top du top que je voudrais niveau armé, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Est-ce qu'on peut tomber sur cette ville? J'ai l'impression que c'est un peu juste, mais ça peut se tenter. On va regarder ça. Duck. Non, c'est trop loin. C'est trop loin, c'est trop loin. Et le problème, c'est que là, pour l'instant, c'est ce héros-là, mais il y a moyen que... bientôt, l'autre, le chef de faction, revienne, là. Donc on va encercler. Parce que s'il revient, il va être capable de nous caler des embuscades, et on a vu que c'était quand même tendu du string, hein, les embuscades du héros. On va se mettre par là pour être ensuite à portée de cette ville là au prochain tour. Alors ici du coup, si on attaque, victoire de justesse, on perd des trucs, pas rien, perte faible. Bon, 914 quand même, mais ça reste faible. Et on va piller et raser. On a maintenant le rituel disponible, on a défoncé leur nouvelle armée. Sceptre de stabilité pour lambda. Résistance ultime sur n'importe quelle cible. 40% de résistance à la magie. Ok. On a la torque du fléau des plumes. Qui affecte les unités volantes. Ok. Dominateur des azurs a remporté plusieurs victoires contre les hauts elfes. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des trucs à prendre? Toi, t'as déjà une potion. Non, c'est un talisman peut-être. Non, c'est un objet enchanté. Ouais, c'est un objet enchanté. Qui a besoin d'un objet enchanté? Toi, t'en as déjà un aussi. Une arme. On va peut-être donner une arme plutôt au Seigneur des Bêtes. C'est quand même un petit peu plus pertinent. Plus 10 d'attaque en mêlée pour nous et tous les alliés à portée quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est franchement pas mal. On n'a rien à mettre. Alors, attends toi. Non, c'était ici. Et du coup là, est-ce qu'on a des trucs intéressants? T'as déjà une potion de célérité. Ce qui est pas si mal. Et là... t'as rien par contre. Résistance aux projectiles ou la torque du feu des plumes? Bah, les projectiles plutôt. Et au niveau des niveaux, un peu plus de morale, ça serait pas mal. C'est quand même censé être un héros. Par contre, on a des trucs cool là. Et là on a quoi? Puissance des armes, plus 15% pour les chiens du chaos, les harpies, les hardes de Razengor, les rochetons du chaos, les géants, les jabersis, les gorgones, les cigores et les manticores. Quand même hein. Ou alors plus d'armure pour les mêmes. Alors, on va prendre ça. Alors c'est pas trop le mec que j'enverrai au combat. Encore que. Mais juste pour aller chercher ce truc là, c'est utile quoi. C'est pareil, on a des petits héros. On peut prendre la couronne de cornes du coup. C'est cool. Et là... un petit peu vol de vie, dévoreur d'âme,
va prendre Dévoreur d'âme. Commencer à avoir des petits sorts qui aident au combat. Donc là on pourrait faire le rituel mais on n'est pas au taquet hein. Alors attention si je fais ça. Ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Et là on a un moyen de raser ça au prochain tour, donc normalement. D'ailleurs je peux même peut-être aller me foutre dans la zone et puis un peu avancer avec lui. Me mettre juste là avec lui. Et on peut piller pour 268. Toujours ça de prix. Par contre, clairement, hein, on se reforme beaucoup moins vite, mais bon, ça, c'est pas très grave. C'est parti, on passe le tour. Il relance une armée directement, mais il ira pas loin. Ah, ça y est, Nagarond commence à ramener une armée qui cause un peu. Malus Darkblade. Ah oui, j'étais en guerre contre lui à cause d'une alliance à la con. Bah tu files 800? Non? Bah du coup non. Bon, le clan Rictus va falloir qu'on aille s'en occuper un moment. Parce qu'il va nous casser les... hein. La lune noire. Alors, toutes les unités blessées seront pleinement reconstituées, c'est plutôt cool. Moins 50% de coups d'effroi pour augmenter la capacité des géants et des rejetons du chaos et des hardes de gore. Ouh, c'est pas mal ça. Ouais, clairement on va prendre ça. Et là, ruine issue du rituel de la ruine plus 30%, ça va tomber bien parce que on va être. On va en terminer deux là si je ne me trompe pas. Ici, c'est la dernière ville qu'on va faire tomber. Ici on a fait le rituel déjà, et ici c'est pas la dernière ville, il y a encore celle-là, mais si ça dure quelques tours, il y a peut-être moyen. Alors là c'est Marcus qui est de retour, enfin pas Marcus mais l'autre là, non c'est pas lui. Donc, on passe comme ça, on leur tombe dessus. Victoire de justesse. On va pas s'emmerder, on va y aller quand même à deux. Ça coûte pas cher. En plus on a quand même notre armée d'élite ici, non? Allez, bim. Je vais pas vérifier mais oui c'est bon. Piller rasé. Faction détruite. Parfait. Alors maintenant si on voulait tomber sur ce truc là, il faudrait qu'on passe par là. Hein. Et ben go. On va tracer jusqu'ici le plus vite possible. Les petits niveaux, plus de reconstitution, ça me va bien. Toi, chercheur d'ennemis, plus d'armure. Ici. C'est quelle armée que t'as toi? Ouais, l'armée bien mais pas top. Plus de reconstitution, ce serait parfait, ils sont nombreux tes mecs, donc le pourcentage ça joue. Ici on améliore un peu ça. Et on est au max de déplacement pour l'instant, parfait. Ici on est level 3 quand même. Alors, est-ce qu'on aurait moyen de lever une armée? On peut faire ça, recruter un seigneur. Ouais, on peut lever une armée supplémentaire. Un seigneur Minotaur. On a quoi comme niveau seigneur là? Ouh, on pourrait prendre un seigneur unique, on a ce qu'il faut. Ça c'est bon ça. Bon du coup c'est un peu dommage parce qu'on a le moins 50% pour eux là. Mais c'est quand même tentant hein. On sait combien de temps ça dure. Tout reste en 5, ouais, on peut se permettre. On va lancer un... On va clairement se faire plaisir et on va prendre un de ces gens. Alors on a qui? Krasak le Borgne. Pénalité de rage bestiale et chances de sélection réduite en mode campement caché. Déploiement de l'avant-garde pour les Bestigors. Déploiement de l'avant-garde pour les chars Azorgore. Des attaques empoisonnées pour tous les Ungor. Ouais.
portée de déplacement, plus 50% en utilisant sentier des bêtes, commandement de l'ennemi, moins 8, taux de reconstitution des victimes, moins 100 pour les armées ennemies locales. Provoque la peur pour les harpies. La position de raid est améliorée en position raid du bluff formateur qui répond à la corruption et l'usure. Aura de transmutation de l'âme comme capacité passive. Constant, cause de dégâts aux combattants juste en étant là, ok. Résistance à magie 20% pour le seigneur, immunisé à l'usure d'Atel de Rennes et de la forêt éveillée. Morgure ne restera jamais blessé pendant plus d'un tour et corruption du chaos plus 5. On va clairement prendre lui. Il n'y a absolument aucun doute. Bon, du coup, on considère comme l'avoir confédéré. Alors, est-ce qu'on l'a confédéré, il est quelque part ou... Je me dis pas qu'on l'a confédéré quelque part. Ah putain, on le confédère, d'accord. Ah, intéressant, et du coup il a ça déjà. D'accord. Ah bah c'est bon à savoir. En fait on le confédère, on se le met pas dans le pool de recrutement. Et bah du coup je le saurai maintenant. Bon bah il est un peu seul et son armée est lamentable, mais il devrait y avoir moyen qu'on améliore un peu ça. Il peut pas passer en campement malheureusement. Bon, l'avantage c'est qu'il devait être en guerre contre pas mal de monde et visiblement il est plus en guerre. Mais on va améliorer cette merde là. et on va se remettre un peu... voilà, c'est quoi cette armée pourrie quoi, sérieux. Et au niveau horde... Au niveau horde il est plutôt bien monté par contre, ça va. C'est pas fou. Mais ça va. Très bien, il nous faut une tech. La tech, on va prendre... il faut quoi pour débloquer ça? 5 batailles en embuscade, ok. Régénération pour les rejetons du chaos et les jabbers. C'est 7 de... Ouais, c'est 7 tours, c'est pas grave. Ok. Bah du coup, on a une avant-garde là, ce qui veut dire qu'on n'a pas notre armée ici qu'on voulait. Est-ce qu'on peut la recruter ou est-ce qu'on est considéré comme 4 sur 4? Oui, on est sur 4 sur 4. Bah tant pis pour ici. On le saura. Il y avait une bataille potentielle à faire là, par contre. Voyons voir. On est sur une victoire de justesse maintenant. Avec nos tours. On perd aucune unité. C'est parti. 228 pertes. Autant dire rien du tout. On a dérobé une bannière de guerre. Et on a déverrouillé le B-mode sanguinaire. Et ça, c'est bon. Un compagnon de Shaman Bray, on a déjà ce qu'il faut là. Ouais, il va falloir qu'on aille le mettre sur quelqu'un d'autre. Par exemple toi. Tu peux pas le prendre. Alors du coup toi, t'en as déjà un, dommage. Tu peux pas le prendre. Et bah du coup, c'est ballot. Est-ce que toi tu peux pas prendre la bannière de guerre? Non, elle a été mise à Torox, en mais tu vas la prendre, il n'y a pas besoin de ça Torox. Ils s'en fout complètement Torox. Toi j'ai pas regardé, t'as quoi comme équipement? On va te mettre une petite armure. Une potion de force, oui c'est bien. Alors on peut te mettre des trucs à toi peut-être. Non. Calice d'averse fuligineuse. La portée de corruption de la ruine. Capacité d'unité plus 2 rejetons du chaos encore. Putain, c'est tellement la teuf des rejetons du chaos. Et il peut invoquer des rejetons du chaos. Très bien. La ruine des hommes. Tueur victoire contre les hommes. Pilleur, embusqué. Ok, bon bah très bien. Bon bah là du coup, cette pierre de sang elle est un peu naze. Vu qu'il a fait le rituel. Mais on va quand même aller raser un peu autour, hein, c'est pas grave. Par contre ici, normalement, on n'a plus rien, on va donc pouvoir accomplir le rituel. Bim! Plus 42 marques de ruine. Et du coup on a plus une pierre de hard, ce qui est plutôt parfait puisque lui va pouvoir se faire plaisir. Donc là on a vu qu'il y avait une armée qui arrivait. On a le choix, soit on se débarrasse de ces deux villes dans notre dos, soit on va s'occuper de ça. Je pense qu'on va se débarrasser des villes dans notre dos. Allez hop en avant. C'est parti. Et donc toi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser
d'une de ces merdes là et on va te prendre direct ça. Voilà, au moins t'as un monstre. Parce que bon, le reste, hein, voilà quoi. C'est vraiment de la caille. Tu vas aller te poser là et recruter un peu. Il va nous falloir quelques tours pour rendre son armée potable, mais j'ai bon espoir. Là, on a des niveaux à prendre aussi. Alors, encore un petit peu plus de boost pour nos amis les Jabberslays. Alors, toi, t'as droit à quoi? Domination sauvage, âme de Gorok, rébellion animale. Moins 25% de vitesse sur les héros, c'est pas mal ça. Hop, on prend. Et là, bah on va prendre son dernier boost de vie. Voilà. Alors, qui n'a pas été déplacé? Ah mais oui, t'as un héros toi aussi. C'est quoi? Un chaman bray de mort. Bah toi par contre tu peux le prendre, le compagnon du chaman bray. Double canon. Puissance des tirs, mais tu tires pas. Bah non, tu tires pas. Pourquoi t'as ce truc? Ça sert à rien. Non bah je préfère encore que tu prennes rien. Tu vas prendre ça pour l'instant. Pierre enchantée, ouais c'est très bien. Qu'est-ce que tu peux faire de beau? 28% de chance de blesser, ça me va pas trop. Comment t'as été monté? Ouais, t'es que level 2, donc t'as rien encore. On va virer un autre comme ça. Et tu vas rejoindre ici. Voilà. Au moins tu serviras à quelque chose. Ensuite, ici. Est-ce qu'on a avancé ce tour-là? Je sais même plus. Je crois que oui. Hein. Ouais, on a avancé ce tour-là, donc c'est parti, on passe le tour. Nagaronde, hein, qu'est-ce que tu nous veux? Malekite, traité de paix, non. Non, bah non, carrément pas. Elle nous ramène à l'Hébron de l'ancienne sur la tronche en plus. Bon, le clan Rictus il vient peut-être attaquer là, hein. C'est tout à fait possible. Hein. C'est vrai que j'avais pas regardé d'ailleurs, on est placé où là? Tiens, un mec amical, c'est rare. Un accès militaire, contre un petit peu de thunes. Une alliance défensive. Ouais, alors faut peut-être pas abuser quand même. Non, non, un accès militaire. Je pense pas, on peut pas confédérer avec eux, donc on va prendre un accès militaire avec un peu de thunes. Alors là, il va avoir de quoi s'occuper, hein, le copain là. Tretch la queue qui frétille est en train de se rapprocher. Ah oui, on avait lui, c'est vrai qu'il s'était pris une petite fessée là. Bah tu sais quoi, tu pourrais aller jeter un oeil à l'armée qui est par là. Il va probablement être en train de s'approcher. Parce que je ne la vois plus. Elle est là-bas. Okay, elle est là-bas. Très très bien. Ici. L'hôtel des ultimes ténèbres. C'est un truc à raser ça. Et on est où notre déchaînement? On l'a pas encore. On est à 100 et visiblement on n'a pas ce qu'il faut. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va cramer un petit peu là pour avancer. On perd les harpies, ouais bon, c'est bon, on va être sapés. Les harpies elles sont gentilles mais... Voilà.
On a notre déchaînement. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Plus d'effroi, revenus obtenus en rasant les colonies, coût de construction des bâtiments, pourquoi pas, effroi obtenu dans des batailles. L'événement éclipse solaire seule noir, lune noire se déclenchera au prochain tour, mais on est déjà en lune noire. Ah non, du coup. Tour jusqu'à la prochaine pleine lune, ça pourrait être pas mal de le faire maintenant, il vient juste de se passer. Ou le coup en l'élan pour reconstituer la partie de déplacement moins 1, c'est quand même hyper hyper énervé quoi. Mais je pense qu'on va prendre ça. On a encore combien de tours pour le bonus là? 4 tours. Ouais, un maximum d'effroi. Allez, un maximum d'effroi. Comme ça, on va pouvoir aller chercher cette ville-là, ce tour-là aussi. Recramer ce qu'il faut. Retomber dessus. Bim. Bim. Et on pille, on rase. Voilà. Et là par contre, on va se poser en camp. Bientôt level 30, notre petit héros. On va prendre ça. Après on boostera un petit peu nos minotaures quand même, parce que c'est quand même un peu le thème. Toi tu vas améliorer ça. Toi, niveau 25, t'as bien l'immortalité, c'est bon. Entraînement, répandre la peur, assaut de garnison, beauf. Un petit bonus de charge, tiens, j'aime bien voir les minotaures chargés. Comme je les balance sur les héros, souvent ils ont tendance à recharger assez régulièrement. Alors, on pourrait te prendre quoi? Là, on est déjà au max partout. Du coup, en effroi, on peut améliorer les géants hein, pour pas cher. Prends. Et eux aussi. Voilà. On commence à avoir pas mal d'armées qui ont besoin de troupes de front. Du coup, on pourrait prendre un petit géant dans son armée à lui. Ouais. Ça me plaît bien, un petit géant. Hop. Voilà, un petit géant. Bon, bah, on a bien rasé de ce côté-là. C'est parfait. Donc là, je compte pas faire de pierre de sang. Hein. C'est pour ça que je me fais pas chier. Par contre, après, genre ici, ce serait. Bon, c'est une toute petite zone. Là, c'est plus intéressant. Là. Là, ça serait bien de poser une petite pierre d'herbe ici. Raser ces deux villes-là et puis poser une petite pierre d'herbe là, ça ferait bien plaisir. Alors, seigneur non déplacé, c'est pour vous. Ah, on n'a plus le bonus de la lune noire. Du coup, on est un petit peu moins pressé. Donc, on va se contenter d'aller jusqu'ici et de piller. Hop. Alors, toi t'es à 19, toi t'es à 17, toi tu vas peut-être pas. Ah, je peux pas recruter, merde, dommage. Du coup, tu vas piller aussi, tant pis, on va répartir les gains du pillage. Et toi, commence à numéroter tes abattis. En plus, t'as une peste. Corruption du chaos plus 50. Oh, c'est bon ça, c'est très très bon. Événement plus 100. Ok, nickel. Y'a toi à gérer. Alors, regardons un peu parce que au final t'es arrivé où toi? Ok, on est dans le Norland. Donc la Bretonnie est là. Là il y a Couronne qui était ici, mais qui s'est barré. Ok, tribu des coupe-feuilles là. Là il y a des gens potentiellement bien. Ah, ici il y a Couronne là. Il y a des gens ici qui potentiellement pourraient nous aimer. Enfin, vite fait quoi. Pour l'instant, c'est pas trop le thème. Il y a eux ici qui sont en guerre contre les coupe-feuilles, mais qui sont tout seuls. Après, c'est un arbre elfe sylvain, donc j'imagine que ouais, voilà, il est bien blindé, la garnison est bien vénère aussi. Faire tomber ça avec une seule armée, ça va être compliqué. Il y a le Norland qu'on pourrait envisager d'attaquer. Ok, bon, dans tous les cas, de toute façon, première chose à faire,
on va virer toutes ces merdes. Alors déjà on peut recruter quoi? Pas mal de choses. Bon, par contre on est déjà en 6 sur 4 ici, mais là il y a moyen. Donc on va virer tout ça. Tout ça, c'est, ça dégage tout ça là. Voilà, merci, au revoir. On va prendre un géant. Deux comme ça. Non, pas deux comme ça, on s'en fout. Trois comme ça. Deux comme ça. Un peu de tireur parce qu'on en a pas, mine de rien. Un tireur de plus. Et on est à 20. C'est déjà pas mal. Ça nous fait une armée pas de taré, mais au moins qui va être capable d'affronter quelques personnes, quoi. On peut améliorer ton bâtiment de horde, on peut améliorer ça pour aller chercher des trucs en local. On prend. On est pété de thunes. Je pense qu'on peut utiliser ce mot. Ah, mais toi, tu peux passer en campement, toi. T'as assez de mouvement pour passer en campement. Ah bah, go. Ouais. Passe en campement, fais-toi plaise. Ça, non. Ça, oui. Ça, oui. Ça, non. Non, non, je suis vraiment pas fan de leur cavalerie, franchement. C'est vraiment pas ma préférence. Donc il y a eux qui pillent, lui qui va améliorer tranquillement ses trucs, puis bah du coup il va recruter. Qu'est-ce qu'on peut te recruter de beau? Un petit tireur de plus, ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout. Ok, on est bien, on passe le tour. Alors, Nagaronde, est-ce qu'elle continue à venir menacer? On dirait que oui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste là à piller, admettons. J'ai même pas regardé si après le rituel de la rune, on pouvait prendre une armée de plus. Faut que je regarde. Waouh, couronne est dans le mal, la vache. Putain, c'est peut-être ça sa capitale en fait. Visiblement, ils se sont seulement fait repousser. Bon, là, ils prennent des dégâts à cause de la corruption chaotique qui est quand même à 83%. Il a au moins bien réussi ça. Après, il faut dire qu'il est très très. Il a les compétences pour, hein. On peut pas dire le contraire. Ah, j'ai oublié d'améliorer sa vie d'ailleurs. Les mercenaires ogres partent, c'est pas grave ça, on s'en fout un peu. Alors ce que je veux voir, c'est si ici on peut recruter une armée. Non, on est toujours à 4. Prochain niveau d'armée, c'est là. Et il nous faut. On est à 161 et il nous faut 220. Ça pique un peu. On peut pas dire le contraire, ça pique un peu. Alors. Si on passe en sentier des bêtes, on va aller raser par là-bas. Si on passe en sentier des bêtes, on va plus loin quand même. On peut piller, mais ça sert à rien. On est d'accord qu'il n'y a plus de ville dans mon dos, hein. Non, tout est rasé. Bah toi, t'as un petit niveau, tiens. Prends donc attaquer les unités, et tu vas essayer de repérer l'armée de notre copine. Je voudrais savoir si elle est remontée par là-bas. Ouais, elle est remontée par là-bas. Non, stop! Allez, essaye d'assassiner, échec total. Oh, mais il est mauvais! Il est mauvais! Tant pis. Donc, ça veut dire qu'on peut passer en sentier des bêtes tranquillement ici pour avancer. Hop là, voilà. Rebellion animale. Hop là. Et du coup, on va pouvoir remonter tranquillou vers là. Puis ensuite, probablement du côté des Lébrons, on verra où est-ce qu'elle va. Mais il y aura probablement moyen de lui faire sa fête. Ici, 6 tours avant la prochaine pleine lune, on va pas attendre 6 tours pour aller raser ça. Il n'y a pas d'armée par contre, ça, ça m'étonne un peu. J'aimerais bien savoir où sont passées ces armées. Non, il y a vraiment pas d'armée, hein. Du coup, déclarer la guerre, hein. Je sais pas où vous êtes parti, mais
On peut même la faire avec juste lui. Bannière de guerre, c'est pour vous. Mais vu qu'on a quand même une armée derrière... Putain, la peste, ça leur fait mal, hein. Il y a même de l'usure pour les villes en garnison, j'avais oublié ce détail. Regardez l'état de leur garnison, quoi. Les mi-life. Et on pille. Mais le petit blanc. Lambda a rasé plusieurs colonies. Et par contre, la faction n'a pas été détruite. Elle doit être je sais pas où du coup. Intéressant. On a terminé plein de trucs. Culte du plaisir. Non, il n'a pas été détruit. Hein. Est-ce qu'on peut le voir? Le culte du plaisir. Ah, il a encore 4 provinces. Ah, mais oui, il est carrément posé là en fait. D'accord. Il a été s'incrusté sur la. Puis vu où elle était, c'est peut-être même elle qui a l'épée de Kane. Donc, bah, du coup, on a défoncé leur arrière. Leur arrière-pays, mais ils sont pas totalement dans le mal. Alors, toi tu passes en campement, faut que tu recrutes. Toi tu passes en campement aussi, parce que ça va te permettre de te refaire. Hurlement de la discorde. Je prends. Alors, tu peux prendre un truc ici. Constant, 5% de résistance aux projectiles, 23 d'armure pour tout ce qui est autour, c'est pas mal. 15 attaques en mêlée. Ça non. Proc la terreur pour les Minotaurs. Non, je pense qu'on va prendre ça. 23 d'armure. 15 attaques en mêlée pour tous les alliés à portée, c'est pas mal aussi. Hein. Mais on va prendre la force de la terre. Pour changer un peu. Ici on a un niveau également. Bah, dernier niveau de dévoreur d'âme, c'est parfait. Et donc toi, tu recrutes. Oh, c'est naze. Wow. J'aurais dû mettre, bah quoi que non, de toute façon, je suis très loin de ça. On va accomplir le rituel ici. Hop, plus 26 marques de la ruine, c'est toujours ça de prix. Ça nous débloque pas le recrutement, hein, on est d'accord. Non. Qu'est-ce qu'on peut te prendre encore? C'est la tristesse. Bah du coup juste ça, hein. Mais il faut qu'on améliore les bâtiments très clairement. T'es niveau 3, c'est-à-dire qu'on peut te faire des trucs un peu mieux, non? Voilà, genre un peu de Minotaur, un petit géant, repère du géant. Ça on améliore également. Ça on améliore. Ça, ça fait quoi? Effroi obtenu plus 50 par tour, on améliore. On claque du blé. Alors l'autre, toi. On peut rien faire de particulier, c'est trop cher. Lui, normalement il doit prendre de l'attrition, hein. Oui voilà, une peste plus l'attrition. Je suis à peu près confiant qu'il pourra jamais me défoncer. Le problème c'est que, même sans vouloir me défoncer, enfin, même s'il veut pas me défoncer, il peut faire chier. Toi t'as bougé, on est à 5. Je peux pas le faire parce que je suis en sentier des bêtes. Tiens, c'est bon à savoir, ça marche pas en sentier des bêtes ça. Ici, on va claquer. Ici, parce que on est en surnombre pour l'instant, donc j'aimerais bien rééquilibrer. Typiquement, toi. Voilà, on peut recruter de nouveau des trucs un peu plus intéressants. Ça, ça dégage, c'est de l'ungor, c'est bon. Hop, voilà, ça c'est de l'ungor aussi. Allez, ça dégage. Il est tout seul, on peut lui filer des troupes d'élite, je pense. On en recrute 4, qu'est-ce qu'on peut recruter d'autre? Des centigores à armes lourdes, pourquoi pas. Encore un peu de chaos, un chaos, un rejeton du chaos de plus. Il a déjà 2 harpies. T'as pas des bonus pour les harpies, c'était pas toi hein. Non, 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 c'est pas lui. C'est pas lui. Après, on a déjà 2 rejetons du chaos. On va virer eux. Je vais garder ceux avec bouclier.
Donc on a un rejeton du chaos, trois trucs comme ça en plus. On va prendre un peu de cavalerie quand même. Parce qu'on a que eux. Non, on a aussi des chars là. C'est bien du... C'est quoi ça? Oui, c'est du gore, c'est pas du hungor, on est d'accord. Ouais, c'est eux où on était en surnom, on s'en fout un peu. Des géants, on a ce qu'il faut. T'as quand même plutôt couvert. On va prendre un tireur de plus. Voilà. Et t'as un petit niveau. Qu'est-ce que tu peux faire de beau? Fureur ardente. Carnage. 25% de dégâts des armes, ok. Fureur ardente, capacité passive, fureur pénétrative pour toute l'armée. 5 d'attaque en mêlée, 10 de bonus de charge, 10 de vitesse, immunité. Bah complètement. Je sais pas pourquoi il a pas pris ça. Ici, on peut améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Faible chance d'éclairer une peste. Ok. On va combattre ici, hein. Plus de magie dans les régions sol de sang. Ouais. On va combattre ici, donc il faut que cette ville la tienne. Ça nous apportera pas de dévastation, mais il faut qu'on nettoie toute cette zone. Donc on va la jouer comme ça. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits noms pour renommer les régiments ou les héros et autres seigneurs si vous voulez rejoindre l'aventure. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.